Aloha et bienvenue, bienvenue à tous les gens dont l'esprit, la conscience et l'esprit s'éveillent. Et donc, Aloha, Alo, Oa, Ha, qui au-delà de la formule communément appelée bonjour ou bonjour je vous aime, veut dire Alo, partage dans le moment présent, Oa, et cela se fait dans la joie et le bonheur, et Ha, dans le souffle divin qui est l'énergie de vie. Ce qui veut dire je vois qui tu es, je vois au-delà de tes paroles et de tes gestes et de tes actions. Je te reçois comme tu es sans jugement ni a priori et je te prends en considération à la fois dans ta présence et ton existence. À un niveau plus profond, c'est la divinité qui est en moi salue la divinité qui est en toi. Et donc c'est avec l'amour, l'affection, la tendresse, sans attendre de retour d'aucune sorte, et aussi compassion, avec les remerciements, la considération et le respect que je vous dis, la divinité qui est en moi, salue la divinité qui est en vous, aloha à tout le monde du fond du cœur. Donc cette vidéo suit la première intitulée Ho'oponopono, premier principe, la loi de responsabilité. Voilà, j'ai souhaité répondre à toutes les nombreuses questions du webinaire sur Facebook et sur YouTube pour vous expliquer dans une playlist de 6 ou 7 vidéos exactement les principes clés du Ho'oponopono que j'apprends dans les différents séminaires. Et aujourd'hui, donc ce deuxième principe, cette deuxième vidéo, c'est pour expliquer que nous sommes tous interreliés. Et ceci est fondamental pour comprendre le fonctionnement du Ho'oponopono. Alors, en Occident, nous sommes séparés. La séparation, c'est le mot-clé, c'est l'ego qui nous divise, qui nous sépare des autres. Il y a toi, il y a moi. Mais moi, pas être toi. Et toi, surtout pas comme moi. Voilà. Eh bien, c'est dans ces phrases-là qu'on reconnaît cette fameuse citation de Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». Parce que si l'autre me parle mal, il est le coupable. Et moi, je suis la victime. Toute notre société occidentale est basée sur ce principe, blâmer l'autre et se demander pourquoi l'autre se comporte comme ça contre nous. Nous, la victime. Eh bien, le monde ne changera que si vous changez, et c'est ce qu'apprend le Ho'oponopono. En fait, la clé, elle est là. Tout ce que je vois dans ma vie n'est que le reflet de ce qui est logé dans mon subconscient. Pour les Hawaïens, c'est l'inverse de l'occidental, car l'autre n'est qu'un miroir de moi, comme je l'ai montré dans une vidéo. La vie est un miroir. L'autre est un hologramme de moi. L'autre est une projection de moi. Et tout ce que je vis n'est qu'une projection de tout ce qui est dans cette partie que l'on appelle le Huna Pili, qui correspond au subconscient, qui porte les mémoires erronées. Et tout le travail du Ho'oponopono par les 4 phrases « Je t'aime », « Je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci », et de s'adresser donc à la première partie, la supraconscience, qu'on appelle le omakua, pour ensuite prendre conscience par la deuxième phrase qui est « Je suis désolé » et « Pardonne-moi », permettre la correction des mémoires erronées qui ont attiré les événements indésirables dans ma vie. Et quatrièmement, donc dans le Huna Pili, et quatrièmement, merci, je boucle la boucle et je reviens à la divinité. Tout se passe par le fonctionnement de notre divinité, le omakua, qui est au-delà du conscient et du subconscient, qu'on peut appeler l'âme ou on peut appeler la conscience profonde. Et c'est toujours avec cette compréhension qu'il faut faire le Ho'oponopono. C'est-à-dire que on ne fait pas le Ho'oponopono de manière mécanique le matin en répétant 4 phrases, surtout dans le mauvais ordre comme on le voit dans 90% des livres, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, non, non. C'est je t'aime. Et en fait, en disant je t'aime, en écoutant une musique magnifique qui va inspirer votre âme, vous allez toucher votre âme. Et en fermant les yeux, vous vous adressez à votre divinité en disant je t'aime. Oui, je t'aime profondément. Et on permet à notre divinité de descendre en nous jusqu'à l'intérieur de nos cellules, à l'intérieur même de notre ADN et de nos chromosomes. Oui, je t'aime profondément, je t'aime du plus profond de mon cœur. Voilà, nous allons le faire tout à l'heure, mais c'est juste pour vous expliquer que le démarrage de ces 4 phrases ne peut se faire qu'avec cette compréhension profonde de s'adresser à la partie de notre âme, de notre être, qui est la supraconscience. Et après, la magie s'opère. Bien sûr, vous pouvez faire les phrases qui viennent spontanément de votre cœur. Vous allez pouvoir dire « je t'aime », « Je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci ». Et ces phrases, vous allez pouvoir les faire tout au long de la journée en ayant la compréhension que chaque fois que vous avez un problème, chaque fois qu'une situation est bloquée, ne se passe pas comme vous le souhaitez, c'est qu'en vous, il vous portez une mémoire qui attire cet événement. Donc c'est une question qui m'a été posée. Combien de fois faire le Ho'oponopono? Eh bien les Hawaïens vous diraient tout le temps. C'est-à-dire que vous allez nettoyer tout le temps. Vous allez passer votre temps à nettoyer chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez dans votre vie, en disant « je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît ». Mieux, les kahuna vont vous enseigner qu'il faudrait le pratiquer tout le temps comme un mantra, afin d'effacer, comme disait le docteur Hew Len, les mémoires erronées en permanence pour arriver à ce qu'on appelle l'état de zéro limite, où là, vous n'avez plus trace de ces mémoires, vous n'avez plus l'ancienne identité, et tout est possible. Voilà. C'est ce qui vise, et en particulier, de pouvoir ainsi calmer, nous verrons dans la vidéo suivante, l'ego appelé Ouané, qui du coup ne prend plus le contrôle de votre vie, puisque ce mantra a remplacé totalement vos pensées. Voilà, merci de votre attention. Je vous dis aloha du fond du cœur. La divinité qui est en moi salue la divinité qui est en vous. Et nous allons continuer par cette magnifique musique d'Ise pendant 2 minutes, en fermant les yeux, en nous adressant à notre divinité que nous aimons profondément, pour lui permettre de descendre en nous jusqu'à l'intérieur de nos cellules. Et nous continuerons par le Ho'oponopono dans 2 minutes. Eh bien, maintenant que nous sommes dans cette attitude élevée de vibration, portée dans cette inspiration qui touche notre soi profond, notre âme, nous allons fermer les yeux et penser à un problème que nous voulons résoudre. Prenons quelques instants en nous pour appeler en nous notre divinité et lui permettre de descendre en nous, jusque dans nos cellules. Voilà, je t'aime. Je t'aime profondément. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez, dites je t'aime, je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi et va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, direct ou indirect, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques, car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en inspirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème, je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme, oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Ah, pardonne-moi, s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci. Merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci. Merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement « Je suis désolé et je m'aime ». Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. That's where you find red roses too. I watched them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue, and I see clouds of white, and the brightness of day. I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Wake up where the clouds are far behind. Me will travel melts like a lemon drops high above.